this round table was about something which is very near the problem of acceptability of air transport today, but it's more specifically focused on airport. And it's not just how people accept or not airports and air traffic. It's also about the link between what people don't like about airports, meaning the pollution, noise pollution, but also the good things about airport being employment, connectivity, and the attractivity of the region. So this all makes it all the more interesting in a period like now, where we are facing huge growth of air traffic. And so you all in your different airports have to find ways to deal with that, because sometimes infrastructures are not sufficient. Sometimes the solutions you are planning will face opposition from the local population. And even sometimes it's another kind of obstacle linked, for example, to a lack of competencies or enough competencies to deal with the growth of the traffic. For example, Monsieur Canellas has written a report about the traffic controllers facing this growth of the traffic. So I will be very quick to remind everyone, but I think everyone here knows well that so the growth is the expected growth, at least, is huge. That we have today approximately 4 billion passengers a year, and to expect twice that volume in 20 years from now. It's the same things with planes, that the number of planes should double from 24,000 to 48,000. And of course, as I just mentioned, this growth has to be dealt with, and it's not always easy to do so. And also I think that the situation nowadays with this thing about the shame of flying adds another, it has to be taken into account in the whole picture, in the big picture. So I think, first of all, maybe it would be interesting that each one of you, the ones who are in charge of airports at least, explain what is the situation in the airport, in your airport. Briefly remind us of the figures, how many passengers you have, what you expect, and what is the gross crisis you face, and then how you have planned to overcome it, and how does it go with population, or maybe sometimes also local authorities. So let's start with you, Mr. Arkwright, and Roissy. Oh, sorry. In English or in French? I don't know. Tu parles en français, toi? Bon, alors on va être deux francophones. I know that John and Dick understand French very well, so I will try to speak in French. And if you need any translations, there is Mister is here. Charles de Gaulle, c'est 73 millions de passagers. Orly, c'est 32 millions de passagers. Mais les problématiques de croissance ne sont pas propres aux aéroports parisiens. On les retrouve dans le monde entier. Donc, dans tous les aéroports du groupe ADP, que vous soyez à Santiago du Chili, à Madagascar, à Paris ou à Paris Charles de Gaulle ou à Paris Orly, vous êtes confrontés à des problèmes de croissance. Premièrement. Deuxième réaction à votre introduction, Dominique. Ce problème d'acceptabilité ou de confrontation entre la croissance des besoins d'infrastructures et l'environnement, les aéroports ne les découvrent pas aujourd'hui. Et non seulement les aéroports ne les découvrent pas aujourd'hui, mais les infrastructures en général ne les découvrent pas aujourd'hui. Donc ce n'est pas parce qu'il y a une actualité un peu plus importante
qu'en tout cas, nous, gestionnaires d'infrastructures, on considère qu'il faudrait inventer des choses. La conviction que nous avons, c'est qu'un aéroport n'est pas hors sol, il est ancré dans un territoire. Et la chance de nos infrastructures, c'est que justement, elles permettent de connecter les territoires entre eux. Et donc, si jamais on avait des aéroports qui étaient à 100 km de zone urbaine ou au milieu de la campagne, ça n'aurait absolument aucun intérêt. Donc, oui, le marché croît. Oui, nos infrastructures sont saturées. Ce n'est pas nouveau. Et ça fait des années qu'on est confronté à ces questions. Le débat actuel nous amène à chercher des solutions nouvelles. Mais vous, par exemple, pour Roissy, il en est question depuis combien de temps de ce nouveau terminal ? Et où est-ce que ça en est ? Quel est le calendrier qui est prévu aujourd'hui ? Alors, la réponse à la croissance, elle est d'abord à court terme. C'est-à-dire qu'à Paris, ces deux dernières années, la croissance du trafic a représenté le trafic de l'aéroport d'Aix-Marseille. Et pourtant, nous n'avons pas ouvert de nouvelles infrastructures. Donc la première réponse, elle est dans l'optimisation d'un existant pour lequel on a besoin de solutions de type Smart Airport, toute solution qui permet de gérer des flux de passagers plus importants dans des murs qui n'ont pas cru. La deuxième réponse, elle est à moyen terme, c'est de se dire, avec les bâtiments qu'on a, est-ce qu'on ne peut pas chercher à optimiser cette infrastructure en, à Paris, joignant nos bâtiments ? Donc c'est une stratégie d'optimisation qu'on appelle une stratégie One Roof, que les passagers ou les professionnels de Paris-Orly ont vu de manière manifeste avec le nouveau bâtiment de jonction, mais que vous trouvez à l'aéroport Charles de Gaulle avec la jonction entre le terminal A et le terminal C, et que vous trouverez dans un an et demi avec la jonction entre le terminal B et le terminal D, et également dans un an et demi avec la jonction des satellites internationaux du terminal 1, les satellites de Paul Andreu qui vont commencer à fusionner les uns avec les autres. Donc la deuxième réponse, avant d'arriver au nouveau terminal, il est faisons du mieux ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et puis ça, pour le 2028, coup, ça pose pas de problème d'acceptabilité. Tout ce que vous venez de décrire là, finalement, ça n'a pas vraiment d'impact. Moi, je pense qu'il faut y attacher au moins autant d'importance que lorsqu'on fait une nouvelle infrastructure. Si on ne se préoccupe de l'acceptabilité que tous les 15 ans, quand on a une nouvelle infrastructure, et qu'il ne se passe rien pendant 15 ans, il ne faut pas s'étonner que les gens se retournent vers nous de manière un peu interrogative, voire parfois un peu polémique. Donc l'acceptabilité de la croissance, c'est un sport quotidien. Ce n'est pas quelque chose qu'on va découvrir parce qu'un nouveau terminal va arriver. Et en l'occurrence, pour Charles de Gaulle, la perspective d'arrivée d'un nouveau terminal, c'est à partir de 2028, vu du passager. Merci pour cette présentation. Monsieur Pencroff, peut-être nous expliquer ce qui se passe à Amsterdam, Schiphol. Thank you very much, and thanks for the invitation to be here today at the Paris Air Forum. In Amsterdam, at Schiphol, after a period of high growth, we currently have about 70-71 million passengers per year. And we face a number of challenges. The first one mentioned by Edward already as well is, of course, so how to cater for those passengers within the existing infrastructure, becoming more smarter in terms of how we use, more productive in terms of how we use our infrastructure. But also, we have to adapt and build new infrastructure at the airport, a new pier is under construction, a terminal is being redeveloped, and we are designing as well a new terminal at Schiphol to cater for the existing situation and the growth that will be. Our second challenge is, and that might be a bit more peculiar to the Netherlands, is that we have reached the political limit set for the number of flight movements at Amsterdam, which was like a double lock, not just environmental permit where we are within, but also a volumetric limit for the year 2020. We have reached that. But were those two limits linked with each other? They were linked, but the environmental import, that was in 2008, and then it's interesting to see that really the environmental performance has been better. So we have reached the limit in numbers, but we have not reached the limit of our environmental permit, which is a testimony to fleet renewal and noise abatement measures that we have taken. So we are now in a period of political decision making again at the national level. Can other airports, overflow airport near Amsterdam, help? How much growth will there be at Schiphol itself? How much growth can be absorbed by high-speed railings as well, which is part of the new world, of course, of connecting internationally?
So that's the second challenge. But you mean that the government studies ways to take trains instead of flying? Yeah, because okay. there's a case to be made. In the past, we flew inside the Netherlands. Eh? It's not a big country. We don't do anymore. So the nearest is Brussels. But there's a very good train connection with Brussels. So I think in a few years' time, you won't take a plane from Brussels to Amsterdam anymore to connect. You will take the train. And there's more destinations to be had. And part of the growth also in the let's say 500 kilometer range or the couple of hours range from Amsterdam can and should be absorbed by high-speed railings, which have to improve, by the way. And there's an investment needed in that, and we support that. The third challenge is, and that's not a new challenge, but it's there anyway, is the relationship with the communities, with the people living around us. Because we have had a period of high growth, that is not easy at the moment. And we have to find this balance. It's always a balance going forward. You could say over the past couple of years, most of the technological benefits have been absorbed by the sector. Going forward, I think we have to create a win-win between the local communities and the airport, not just for the economic benefits, but also in terms of being able to demonstrate that growth at the airport, and probably be more moderate than unlimited growth, and that's fine, can go together with noise reduction at the same time, and that we create a win-win. So we improve on the environmental side and we create more capacity at the airport. And then the fourth challenge, which is growing and growing in a very fast way and which influences all the other discussions as well, is that of sustainability and the future of climate change and the role the aviation sector plays. And that is, it's not just an emerging issue, it's a pressing issue, and it will be a vital existential issue for aviation going forward. So big steps are being taken there as well and have to be taken. That's kind of the picture. But what's the direct connection between climate change and the face of each airport individually? No, not in the head, because we live now with the decisions that were taken 12 years ago. And really, then climate change was an issue, but not as much as it is today. And it was not as much part of the debate as it is today. So we don't just have to demonstrate our economic benefits as an airport. We don't just have to demonstrate our relationship with the communities and how we can reduce the environmental effects. We also have to demonstrate that we get on top of the climate change issue, which is not just an airport issue, of course. It's even not just an airline issue. It's an aviation sector issues where we have to take shared initiatives. Mm. It's also, you have to demonstrate that to your government. You mean not just communities, I guess? No, absolutely. And there's a whole discussion. And in the way we do that in the Netherlands, there's a kind of then a broader agreement or tables that take place with all parties involved. And you get to a kind of an agreement which then sets the pace. The existing structures that are in place internationally as well, the existing ICAO type of commitments are probably not sufficient. They don't line up with the Paris Agreement yet. Things have to be done there. And we have to go from discussing, debating, to various actions. And we can talk about that as well, and some of the things we did in the Netherlands around biofuels and synthetic fuels as one of the steps forward. Yes, we'll get to the solutions pretty quickly. Mr. Hollandke, so what about London Heathrow? You also have plans to expand and face opposition. And so far, you're among all the airports here today, the one with the highest traffic, the biggest traffic so far. From what I understood, maybe I'm wrong. That's right, yes. Okay. So what's the situation in Heathrow? And well, thank you for inviting me to be here, and thank you for asking your questions in English. I do appreciate that. I don't really have a choice. I apologize to many of the audience who will have to listen through translation. But Heathrow serves 80 million passengers a year. We're the sixth or seventh largest airport in the world and the largest in Europe. We are also rated by passengers as one of the best airports in the world. And that's an important factor when it comes to one's license to grow. Because if you're not doing a good job today, then you can't be trusted to run a larger airport. And that's something we've really worked hard on over the last few years. Now, we have been at our flight capacity for at least 15 to 20 years.
And that's a fixed limit in terms of the number of flights that we are able to accommodate. That was set as part of a planning consent about 20 years ago. And we've been talking about expanding Heathrow for the last 40 years. And we have a very different approach to infrastructure in the United Kingdom. In China, you would look at a growth forecast and anticipate a problem in 20 years' time and start building your airport 20 years ahead of time. In France, you see the issue today and you start expanding your airport when the need is there. In the United Kingdom, we wait until 20 years after you've reached capacity and you've satisfied yourself that you have done everything you possibly can and there is no other solution. And then you finally get on and build the additional capacity you need. But and then that's just the you British have way. To find, maybe it makes you more creative to have been forced to find solutions without really expanding for 20 years. Well, it has certainly made us far more efficient. And airports from all over the world will come to see how we are able to serve 480,000 flight movements a year on just two runways. It is a remarkable achievement. But it is failing the country. And we are the biggest port in the United Kingdom. We manage a third of all the UK's exports outside of the European Union. And yet we have been at capacity. And we're not able to add the additional flights to long-haul markets in particular that Britain needs to be able to get to. And so we now face the sight of airlines that would like to come to Heathrow going to Paris instead, UK regions who would like to travel through Heathrow going to Amsterdam instead for their connections. And over time, Britain starts to fall behind. And you'll understand from as one of the biggest economies in the world, and that's not a tenable situation. Now, the challenge, of course, is we can all see the economic benefits that come with aviation, but we have to earn our license to grow. And the challenges we have are some very local ones, noise, air quality, congestion on local roads, and we have some big global issues, such as carbon. And no one airport can solve the carbon challenge, because there needs to be global action on carbon. But we can take a lead in that and show how it can be done. And that's something that we as European airports are now starting to do and are targeting for net zero emissions from all aviation from 2050, which is a target which increasing numbers of governments are signing up to. And the decarbonisation of aviation will help to ensure we continue to get the benefits from flight for generations to come without the impacts on our climate that we all want to avoid. From a local point of view, we've also had to earn our license to grow. We've been working for the last 10 years understanding what the issues are for local communities and coming up with a plan for expansion which addresses those issues, making sure there are no more cars on the road as a result of Heathrow expansion, which tackles both air quality and congestion on local roads, making sure that we design the airport so that fewer people are impacted by aircraft noise even when we've expanded than they are today, through changing the operating measures we have on the airport, but also getting the benefits of the much quieter fleet that is coming into aviation. And a combination of minimizing the impact of aviation growth, mitigating it by insulating homes and schools in the flight paths, by compensating local communities, but also making sure that local communities get the benefits of jobs from an expanded airport, which is one of the main reasons that people come to live around an airport. You know, the people kids who go to local schools are the children of my colleagues, and they're going to come and work for us one day. One of them might run Heathrow Airport. So it's important to us that they have a good quality of life, a good quality of education. So we have a plan that tackles all of those local issues. It addresses the global issue, but also gives the opportunity for economic growth, not just for London, but for the whole of the United Kingdom by allowing more regions of the United Kingdom to connect into Heathrow and onwards to global markets. And that plan has taken a long time to develop. It's been very heavily scrutinized. But last year it was passed by the UK Parliament with a majority of 4-1, which is a very significant achievement by government and by ourselves and the aviation community, and by working with local communities. And one of the things I'm most proud of is that the members of parliament whose constituencies are on either end of the current airport voted to support Heathrow expansion because they could see that there was a real benefit for their communities from supporting a larger airport, and they could see that we were doing everything we could to minimise the negative impact on their constituents. And I think that's a good benchmark for how we can start to bridge the gap between the benefits of aviation growth
and tackling some of the negative issues that can come with aviation. Thank you very much for this very interesting testimony. Monsieur, now I switch to French. Monsieur Capo-Canellas, donc vous avez été maire du Bourget, vous êtes sénateur de la Seine-Saint-Denis, et surtout vous avez plusieurs casquettes qui font de vous un expert de ces sujets-là. Mais ce qui m'intéresse justement, c'est ces doubles casquettes. Et comment est-ce que vous réagissez aux différents témoignages qu'on vient d'entendre? Est-ce que vous avez vu évoluer l'acceptabilité par rapport à ce genre de sujet depuis ces dernières années? On a entendu plusieurs fois parler d'emploi. Est-ce que c'est quelque chose qui est un argument efficace vis-à-vis des populations locales? Bien, bonjour à toutes et à tous. Pardon pour mes voisins de parler en français, mais à la fois en tant que parlementaire et par facilité, ça sera plus simple. Ce que je veux dire, c'est que d'abord, la question est totalement renouvelée aujourd'hui. Elle est ouverte. Et quand j'ai vu le titre de la table ronde qui figure là-haut, je me suis dit, en fait, la question, c'est aussi c'est le plus global. C'est-à-dire, c'est le transport aérien face à tous ces défis-là. On le vit. Voilà. Donc je pense que le sujet est totalement renouvelé et que tout ce qu'on fait de manière classique, qui a été très bien dit, avec ce que j'ai entendu d'ailleurs, que je trouve très, très, très bien dans ce qui a été pratiqué chez nos amis britanniques, à Heathrow, tout cela est réinterrogé aujourd'hui sous un prisme particulier qui est-ce que le transport aérien finalement doit aller vers la décroissance et est-ce que c'est une fin en soi? Bon. Et donc tout ce qu'on fait habituellement, c'est quoi? C'est essayer de réduire les nuisances, dialoguer, essayer de trouver des solutions pragmatiques, et puis essayer de faire que les territoires autour des aéroports, à la fois, aient moins de nuisances, sachant que la nuisance, ce n'est pas seulement le bruit, c'est aussi, bien évidemment, toutes les préoccupations environnementales, toutes les questions de rejet, tous les effets à considérer sur la santé des riverains. Et puis, en même temps, on essaye aussi de maximiser l'effet d'entraînement que ça peut avoir, l'effet positif pour la collectivité, au niveau micro, au niveau local, puisque effectivement c'est une grande infrastructure et souvent les grandes infrastructures sont aussi des moteurs d'emploi, de développement, en amènent d'autres, amènent des transports, etc. Donc la palette classique, c'est ça. Lutter contre les nuisances, essayer d'insérer l'aéroport dans son environnement, travailler sur l'emploi, travailler sur l'économie autour, essayer de faire que les collectivités s'y retrouvent, avec toutes les questions de péréquation fiscale aussi, d'effet fiscal. Alors qu'on n'a jamais bien traité d'ailleurs, honnêtement, parce que ça va faire une communauté autour d'un aéroport, je ne sais pas trop comment ça peut marcher. Et comme en Ile-de-France, on a le génie de tout diviser, on a la petite couronne et la grande couronne, et donc Roissy comme le Bourget sont à la fois en petite et en grande couronne, et on n'a pas été foutu de faire des agglos autour. Bon. Mais ça, c'est le phénomène classique. Et je pense que tout ça est à réinterroger aujourd'hui, puisqu'il me semble qu'il faut qu'on fixe des objectifs environnementaux beaucoup plus importants qu'on l'a fait dans le passé. Parce que sinon, la question de l'acceptabilité du développement aéroportuaire va se poser. Et qu'on voit bien, on aura des tests dans les semaines et dans les jours qui viennent, puisqu'on va faire voler y compris des avions militaires assez bas quand même auprès de populations qui sont les miennes, notamment, au Bourget. Et donc voilà, je pense que tout ça est en train de voler vers une trajectoire qui n'est pas encore définie aujourd'hui. Et donc l'attente, elle est, à mon avis, beaucoup plus forte qu'elle n'a jamais été. Alors après, le message d'optimisme, c'est quoi? C'est que le transport aérien est un transport qui fait des efforts colossaux pour réduire ses rejets et que les aéroports, chacun dans leur diversité, ont des approches environnementales qui sont innovantes, qui vont de l'avant et que je pense qu'on a aussi beaucoup progressé. La France a aussi un certain nombre d'institutions, je pense à l'ACNUSA notamment, qui sont des gendarmes pour permettre aussi qu'on manie bien sûr la carotte mais aussi le bâton. Voilà. Et donc tout ça va devoir être, me semble-t-il, réinterrogé parce que l'attente n'est plus du tout la même et les jeunes générations regardent ce transport qui est une conquête formidable pour le monde entier, qui est un élément de connectivité, qui est un élément d'attractivité pour la place parisienne, en tout cas pour ce secteur-là, mais qui est aussi pour les provinces un élément de désenclavement formidable. J'ai le plaisir de
présidé, puisque mes collègues sénateurs ont eu l'imprudence de m'en confier la présidence, une mission d'information sur le thème transport aérien et aménagement des territoires. Et je vois bien que l'ensemble des élus ruraux qui ne sont pas desservis par le fer de manière convenable ou qui, par exemple, je prends le cas d'Aurillac, puisqu'il est souvent cité par ma collègue qui est rapporteur de la mission, qui se trouve à 8-9 heures de route de Paris, finalement, ces territoires-là ont un besoin de transport aérien et ont une attente particulière. Donc il nous faut aussi, je pense, retisser le lien et réexpliquer l'utilité sociale du transport aérien. Pas simplement en termes d'emploi, mais l'utilité pour assurer la connectivité, parce qu'aujourd'hui, on vit sur un mythe qui est que le fer peut tout régler, et que finalement, le fer coûterait moins cher. Le transport aérien est encore l'industrie qui finance elle-même son service. Personne ne le sait, mais finalement, l'ensemble des redevances et taxes font que, y compris la DGAC, est financée par le transport aérien et par le prix du billet, quelque part. Et ce secteur-là a fait aussi, en matière d'innovation environnementale, un certain nombre de choses. Et je pense qu'il y a une utilité sociale. En France, on parle beaucoup de connectivité, de réduire la fracture territoriale. L'aérien, dans certains endroits, est effectivement indispensable. Donc tout ça, il va falloir le replaider. Et puis, ben, au niveau micro, réinterroger, je pense, l'ensemble de nos pratiques, parce qu'il me semble qu'on est à un point critique. Merci, merci beaucoup. Peut-être passer le micro à votre voisin. Alors, deux questions essentiellement. D'une part, est-ce que vous percevez ce changement qui est lié à effectivement une perception globale par rapport au transport aérien lié au changement climatique, etc. Est-ce que ça a une répercussion assez directe en fait sur l'acceptabilité locale au niveau d'un aéroport? Et d'autre part, vous avez commencé à nous expliquer que le dialogue avec les communautés, c'était un combat de chaque jour. Quel en est le résultat, du coup? Est-ce que, comment est accepté votre projet d'expansion? Et est-ce que vous pouvez donner des exemples un peu concrets des solutions que vous proposez pour essayer de limiter les nuisances ou de maximiser les bénéfices, voire les deux? Alors, sur votre première question, est-ce qu'il y a des choses nouvelles qui sont liées à ce contexte de changement climatique et de prise de conscience beaucoup plus large? Moi, j'en vois au moins deux. La première, c'est qu'il y a un besoin de pédagogie beaucoup plus fort sur pourquoi le trafic aérien croît, quels sont les ressorts de cette croissance, est-ce que si jamais on arrêtait, quelles sont les alternatives? Donc, je trouve que le champ de la discussion sur l'alternative est beaucoup plus riche et vaste que ce n'était le cas il y a quelques années. Et c'est aussi intéressant parce que ça nous permet de mettre en perspective la croissance du trafic aérien en Europe par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde. C'est-à-dire qu'il y a un débat qui vient de Suède venant d'un pays qui consomme l'avion 5 fois plus que le reste de l'Europe alors qu'il y est 2 fois moins taxé et qu'on va le prendre 30 fois moins qu'un Indien par exemple. Et de se dire que ce débat-là, il n'est pas le même que celui qu'on va entendre dans d'autres pays du monde n'est pas complètement inintéressant. Ça, c'est le premier changement. Le deuxième changement, c'est, je trouve que dans les thèmes qui sont abordés, la question de la qualité de vie de nos riverains sort comme un thème transversal. On va entendre et on va parler généralement bruit, qualité du climat, trajectoire d'émissions, appareils de formation, nombre d'emplois, accès à l'emploi. Tout ça, c'est bien, mais on a des riverains qui, auparavant, prenaient chacun de ces sujets et maintenant vont nous dire: d'accord, mais ma qualité de vie, elle est où? Et alors, qu'est-ce que vous répondez, vous, à ça? Cette question, nous, on y répond par un certain nombre de mesures sur lesquelles je peux revenir, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle s'adresse à l'ensemble du système territorial. Et là où je rejoins Vincent, c'est que la question n'est pas de savoir si l'aéroport fait bien son travail, c'est si l'aéroport, les compagnies, les sous-traitants, les collectivités territoriales, l'État partagent une vision et chacun dans son couloir de jeu fait ce qu'il doit faire pour que ça soit acceptable. Nous, on peut faire du mieux qu'on peut dans notre secteur et on s'y emploie, on essaye, sous le regard évidemment des élus et des riverains et de nos clients. Ce qu'il faut, c'est le système. Et si je vais directement à votre dernière question, on a pendant 3 mois fait une concertation publique sur un nouveau terminal à Charles de Gaulle, terminal 4, qui était l'occasion
d'environ 85 événements. Il y a des personnes dans cette salle qui ont la gentillesse de passer quelques soirées pour dialoguer, partager, poser des questions. Et en fait, ce qui en ressort, c'est 5, 6, 7 questions adressées à l'aéroport, mais 20, 30 questions adressées à l'État, adressées aux collectivités territoriales. Et donc, plus que jamais, c'est la réponse à l'acceptabilité est dans une réponse qui sera nécessairement systémique. Alors après, on peut avoir plein d'idées ponctuelles, mais si la réponse n'est pas systémique, on n'y arrivera pas. Et alors, est-ce qu'il existe une enceinte au sein de laquelle le système peut partager, quelle est la qualité des échanges que vous pouvez avoir avec les autres éléments du système? Est-ce que, de votre point de vue, c'est aujourd'hui satisfaisant, ou est-ce qu'il y a des points de blocage? Il y a des enceintes qui fonctionnent, celles qui peuvent nous relier avec nos clients compagnies, par exemple. Il y a des enceintes qui ne fonctionnent pas encore complètement au mieux, qui est le dialogue avec toutes les collectivités territoriales parce qu'elles sont nombreuses. Pour prendre juste l'exemple, pour ceux qui ne connaissent pas Roissy, à Roissy, nous sommes sur deux très grosses intercommunalités. Nous avons quatre départements, deux régions, trois communes d'emprise. Et lorsqu'on s'adresse à l'intercommunalité, les maires de communes d'emprise nous disent qu'on avait oublié de s'adresser à eux, alors que l'intercommunalité était compétente pour la question. Donc il y a là un petit motif de réflexion, avec en plus un conseil régional et une métropole du Grand Paris qui s'arrête à la frontière de l'aéroport. Donc ça nous fait un système institutionnel riche, dont il convient d'exploiter la richesse en peut-être en la sédimentant un petit peu ou la cristallisant un petit peu. Voilà. Ça, c'est un deuxième point. Et puis, il y a un troisième point qui, lui, est à mon avis, complètement nouveau, qui est la communauté des employeurs de la plateforme. On va parler d'emploi. C'est bien, mais ADP, c'est un petit bout. Une compagnie aérienne, c'est un petit bout. Un assis en escale, c'est un petit bout. Un prestataire de sûreté, c'est un petit bout. Et puis, les besoins, ils vont être en hôtellerie, en restauration. Ils vont être en maintenance. Et finalement, la communauté aéroportuaire, elle n'est pas organisée pour ça. Elle n'est pas organisée pour dire, elle est organisée pour faire des diagnostics. Mais si jamais je prends un seul exemple qui parlera aux Français dans cette salle, il se trouve qu'en France, nous avons des stages pour les élèves de 3e, donc qui ont 14-15 ans, qui leur permettent pendant une semaine de découvrir le monde professionnel. Serions-nous capables à Roissy d'avoir toutes les 3e semaines des mois pairs, la semaine des stages de 3e, dans lequel nous offririons tous les possibilités de stage de 3e au même moment, permettant de structurer des transports pour accéder, permettant d'avoir de la pédagogie autour de ça. Donc c'est autour de ces actions communes qu'il faut maintenant réfléchir, au-delà des grands sujets que chacun a en tête en termes de trajectoire carbone, d'amélioration des trajectoires aériennes, etc., etc., dont on parle beaucoup. Mais ces exemples concrets, ils sortent de la concertation, il faut qu'on les entende, il faut qu'on les saisisse et qu'on apporte des réponses. Quand même un mot sur les trajectoires, parce que bon, la technologie, encore une fois, moi, ce n'est pas ma spécialité, donc ne m'en veuillez pas pour les détails techniques, mais j'ai bien compris que les technologies s'amélioraient beaucoup de ce point de vue-là. En termes de tout ce qui n'est pas de la techno pure et dure, qui est plus organisationnelle, etc., est-ce que ça avance à la bonne vitesse? Où on en est de ces plans, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais à l'échelle européenne, justement, de modification des routes aériennes pour limiter les... Ça, et puis dans chacun des aéroports, le fait de ne pas utiliser, de rouler différemment les taxis, tout ça, c'est plus de la techno, mais c'est enfin la lisière entre la technologie et l'organisationnel. Alors, c'est absolument fondamental. Le transport aérien, il n'augmentera que si les deux points de contention, il y a deux endroits qui ne se dilateront pas, c'est le ciel et la terre. Donc, la terre, on n'augmentera pas la surface des aéroports, et le ciel, il est en Europe déjà assez chargé. Et donc, si jamais on veut pouvoir continuer à accompagner la croissance du transport aérien, il faut chercher à optimiser l'usage des aéroports, qui ne croîtront pas, on en a parlé, on l'a évoqué, on pourra y revenir, mais surtout optimiser l'usage du ciel, et enfin faire dialoguer le ciel et la terre. C'est-à-dire que ceux qui s'occupent de l'optimisation du ciel pensent qu'il y a aussi des impacts au sol, et réciproquement. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui stratégique, il est là. Les programmes communautaires que certains peuvent connaître, il existe de nombreux programmes communautaires qu'on appelle César, qui visent à optimiser l'utilisation du ciel. Le point de jonction entre le ciel et la terre, c'est le rôle du contrôle aérien, et c'est là où il y a des évolutions culturelles, managériales et techniques extraordinaires qui sont faites avec des engagements pris par la ministre des Transports à Roissy pour faire en sorte que les trajectoires deviennent ce qu'on appelle continues, ce qui est un changement extrêmement exigeant. De quel point de vue exigeant? En termes de formation? Exigeant parce que les outils changent, mais surtout ça veut dire qu'il faut prendre en charge d'avions beaucoup plus
beaucoup plus tôt. Il au faut niveau du contrôle aérien. Il soit, du point de vue du contrôle aérien, il faut également que l'espacement soit géré de manière extrêmement rigoureuse. Les deux pistes, les deux doublets de pistes ne sont pas très larges. Donc ça exige, si on veut garder un niveau de sécurité et de sûreté extrêmement élevé et exigeant, cela nécessite des changements dans le métier, des changements d'outils, des changements de mode de fonctionnement. Quand on a appris son métier dans un cadre et que 20 ans après, on doit l'apprendre en se disant mais finalement, il faut essayer de trouver non seulement comment industrialiser ces routes, mais également faire en sorte que les avions passent là où il y a le moins de personnes. Voilà. Un contrôleur aérien n'a pas forcément appris son métier en ayant une carte des topographies des populations et des impacts de nuisance sur ses genoux pendant qu'il fait son travail. Je le dis avec des mots simples, évidemment c'est plus compliqué. Et donc ce changement-là, il est extrêmement important, il n'est pas que technologique. Il est d'abord et avant tout organisationnel et managérial. La technologie suivra au rythme qu'il faudra. Merci beaucoup. Monsieur Capo-Canella, je crois que vous vouliez ajouter un mot. Juste un petit point. On est sur un sujet qui est fondamentalement européen et on a un problème sur la mise en place d'un vrai ciel unique européen. Et on sait tous que quand on parle de CO2, aujourd'hui, on en est à avoir des trajectoires qui ne sont pas linéaires. Et donc, on surconsomme parce que les avions n'ont pas une route droite. Mais pourquoi pas ? Et donc, on émet trop. Alors, on a un problème qui est que le contrôle aérien est éclaté. Et qu'ensuite, on a un problème de capacité. Il est éclaté parce que chaque pays veut gérer sa souveraineté aérienne et veut garder son contrôle aérien. Premier élément, il y a un exemple de mise en commun européenne qui est le centre de Maastricht. Mais une fois qu'on l'a eu réussi, on s'est empressé d'arrêter. On devait en avoir 5 ou 6 au départ, puis on s'est arrêté là. Il y a d'autres façons d'arriver vers le ciel unique européen. La Commission européenne a émis, je crois, il y a 2 jours, sa feuille de route qu'on appelle RP3 pour les prochaines années de ce point de vue-là. La France est consciente des enjeux, mais si vous regardez l'année dernière, je crois qu'on avait 4 millions de minutes de retard. Donc là aussi, ça a un impact environnemental considérable parce qu'on fait tourner les avions en l'air, premier élément. Et puis cette année, eh bien, finalement, qu'a fait ce qu'on appelle le Network Manager de Recontrol, c'est-à-dire celui qui dispatche finalement le trafic aérien, eh bien, il a écarté les routes pour éviter les centres qui sont les plus thrombosés. Donc on a un problème qui est de remettre un certain nombre de contrôleurs aériens. Il faut 4 ans pour les former en France, plus au moins 1 an pour les agréer sur des positions, ce qu'évoquait un peu Edouard tout à l'heure. Et puis ensuite, il y a l'enjeu de la descente en continu. Alors on a déjà fait des choses, puisqu'en fait on a quand même relevé les trajectoires. Il y a quelques années, ça a fait parler pas mal en Ile-de-France pour essayer d'arriver plus haut, plus longtemps, si j'ose dire. Et puis maintenant, on veut aller vers la descente en continu, qui est un enjeu pour la direction des services de navigation aérienne française, qui est de permettre aussi qu'effectivement, eh bien, on évite la descente par palier. Là aussi, gain environnemental, gain au niveau du bruit pour les riverains. Mais c'est une perspective qui devra se mixer avec effectivement des enjeux de management, mais aussi des enjeux technologiques qui ne sont pas encore totalement surmontés. Et j'espère qu'ils vont l'être. Et j'avais un peu secoué les choses l'année dernière sur ce plan-là, et j'y reviendrai à la rentrée avec un autre rapport. Persévérant. Merci beaucoup. Alors, Dick Benthrop, to English. I think you've heard and understood what's been going on lately. Hopefully most of it. Yeah, I'm sure. So what kind of what do you think about the problems and the solutions that are planned to overcome the problems? Can you use them in Amsterdam Schiphol? What are your hopes about? What do you think will happen ideally? What would you hope for? I must agree that it's with the point you made that we are at a critical point in time in terms of the discussions and going through the issues again, what we face. We do that in our company as well, in the sense that we are looking forward and looking at our purpose and what we are for, and how do we define that, and that is not an ordinary business, airport businesses. So we don't just talk in terms of demand and in terms of growth and as much growth and as much bottom line as possible, because we have a public purpose to fulfill, which is connecting our country to the world and the economic benefits that brings for society at large. And interestingly, we start to express our future much more in words of quality, and you both mentioned that as well. So it's the quality of the network.
which is connecting the Netherlands with the world. It's the quality of life, explicitly, in terms of the relationship with the communities, both what we bring and what we cause. And it's also the quality of the services, in terms of the quality at the airport. And because that is central for an airport as well, and the innovation that is required for that. So we take this, the question, and that's a societal question. Many more people ask nowadays, why do you need to grow? Why exactly? Why should we grow further? Is it not enough? The way to answer that is not just because there is demand, yes, that is part of the answer, or because we want to become a bigger company, that's not the answer. It is around the quality of the network, the requirements for that, being able for the Netherlands, for Europe, to stay relevant in this world and to participate, to connect us to new economic centers elsewhere in the world. But you don't need unlimited growth for that. The answer will be a much more balanced and moderate growth. And that will help you on the two vital dimensions. One is the local one, in terms of being able to demonstrate that this growth, even if it's moderate, even if it's more controlled than it has been, can go hand in hand with reduction of noise, local issues around emissions being addressed, like ultrafine particles, which is really an emerging issue, and big steps to be taken around sustainability. I'm happy to see that just the last month, two steps were taken in the Netherlands on. So fleet renewal is taking place. So we get quieter, more efficient aircraft. That helps, and there's a dynamic for that. But more has to be done. For example, the next horizon is new fuels, biofuel, synthetic fuel. And it's now the first investment in the Netherlands, the first in Europe, being announced of a full-scale biokerosene factory in the north of the Netherlands. And KLM has taken the offtake agreement for that, which is a huge commitment. We helped as well. And on the after that, because bio will not going to solve it all, synthetic kerosene will have an important role to play. So we have announced a study to get to a pilot plan in Rotterdam for the first synthetic kerosene, starting with direct air capture from CO2 and then through all the processes and have this synthetic kerosene. And those steps have to be taken, and more of those have to be taken. So that's very important. And then we need to do the research and hybrid and electric frying and new propulsion, but that will be further out. We have defined our actions on the various horizons, but we have to start to act there as well. And it, in the end, it all comes together in terms of, so are you being trusted? Do you understand what you really need to do? And are you being able not just to talk about it, but to convince? Okay, thank you very much. Yes, maybe a word about biofuels. Do you think that will come soon enough to solve all the things we've been talking about? Do you think that it will be available soon enough? Otherwise, what will be the impact of the price of flying, and then maybe on the growth of flying if it becomes too expensive? What about the kind of solutions? Well, I think there's a more fundamental question about what kind of world do we want to live in. And I think the Paris Accord was a good step forward in setting a target of 2 degrees. The aviation industry has started to adapt to that. But increasingly, we have come to realize that the cost of even 2 degrees of warming is too high, and we need to set a tougher target of 1.5 degrees, which was signaled in the Paris Accord. Now, that requires a fundamental change in the way that we all live our lives, and aviation has to be part of that solution. Aviation has always been excluded from global agreements around carbon, and that can't continue. We have to play our part. And the alternative is either in future decades we don't fly at all and we have none of the benefits of trade and connectivity and prosperity that comes with that, or we decarbonize aviation along with every other sector. So the solution has to be of course, to decarbonize aviation. And we have some time to do that, but we don't have a long time. We need to get to net zero by 2050, and that will be a fundamental change in the way that we work. We will need to have more use of biofuels and synthetic fuels, as Dick has described, for long-haul flight.
But for short-haul flight, electric planes are likely to be part of the solution. When do you think they will be ready for, big planes? They're coming. They're coming. And already we have small planes that are electric. Very small so far. But it's interesting that you'll hear the same person say in the same sentence that they don't believe electric planes will ever happen. But on the other hand, have you seen what Uber are doing with their flying cars? Well, a flying car is an electric plane. But for two or three people. For two or three people. But look at what EasyJet are doing. They are targeting to have a commercial services by 2030 using electric flights for short-haul planes. And with the developments in battery technology, particularly moving towards solid state, in the, I think around 2030 is a good target time to have electric flight for medium-range planes, 300, 500 kilometres. That will cover a lot of the short-haul connectivity within Europe. But, of course, batteries currently are too heavy. They don't get lighter as you fly in the way that kerosene does. So at the moment, that puts a limit on the range of electric planes. And that's why biofuels and synthetic fuels are going to have to be part of the solution. Now, the good thing about those is that some of the technology does exist. It's currently not at scale, and it's too expensive. So we need to get it to scale, and we need to balance the cost between kerosene and some of those alternatives. But the attractive thing about that is that it can be used in existing planes, in existing airports. So we don't need a big leap forward. And I think what we need to do is to, first of all, get a global consensus from all governments that net zero carbon for 2050 is a target that the global aviation should be aiming for. We need to set targets for how we get there along the way. At what point do we get to 10%, 20%, 30%? And we need some global carbon tax on aviation fuel, which will start to bridge the gap between kerosene and alternative fuels, but will start to provide the funds to invest in scale production of alternative fuels. And that will help us to get there. We don't have long to do it, but we can see the path now by which we can get there. But who should put this carbon tax on aviation? Well, I think at what scale should it be? As with all things to do with carbon, there needs to be a global consensus around this. We need, in aviation terms, we need to work through ICAO, which is the global aviation arm of the United Nations, because that will commit all, that will involve all countries committing to this kind of target. Because we have seen with expanding Heathrow, now, there are some people very well intentioned who said we need to contain carbon emissions by stopping Heathrow growing. Well, all that has happened through that is that people from the UK have been flying to Paris and Amsterdam to catch the flight on a long-haul flight, using more carbon than if they could fly directly. So a well-intentioned national policy has, if anything, made the carbon crisis worse. We need a global solution to this. And I think European is ahead of the curve with this. I think we have accepted more quickly than other regions that this is a real issue that we need to take action on. And I think it's up to the European aviation sector, the airports here and other European airports, taking advantage of the fantastic technology we have with people like Rolls-Royce, Airbus, Shell, BP, but also the progressive airlines, Virgin, EasyJet, IAG, are all leading on this, KLM, as we have heard. We can start to map out the model by which the whole aviation sector can work. Because what we want to preserve is the ability to fly, the benefits of trade and connectivity that come with it, without the negative impacts that has on the global climate. And I think we can start to see a path by which we can achieve that. But are you confident that other regions in the world that we were mentioning, India or China, are going to accept that? Well, we've seen agreement around CORSIA, which is an emissions offset scheme, which is consistent with the Paris Accord for 2 degrees. But that is not the solution. That is an interim step to help us while we are decarbonising the sector. And that will help other sectors to decarbonise. But that's not the end game. But even getting to that point was a huge achievement. And that took 10 years to reach that goal. But the fact that we can do that should give us confidence that we can now go further, because we can now all start to see the impact of climate change on our economies. And I thought it was interesting how
significant an issue this was in Australia recently. It was a big issue in the election where there was a real debate around the economy and climate change. And if you go to Australia, there is nobody, I think, who is arguing that we shouldn't be able to fly because it is such a critical part of keeping such a large country together to be able to trade with the rest of the world. They are having the complex task now of how do you make aviation sustainable at a time when they, more than many other countries, are facing the impact of drought and floods on their national economy. Well, thank you very much. Thank you, all of you. I think the time is up. So, merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous tous pour votre intérêt. Et bonne continuation.